Principale de mars prochain, Itinéraire Bis reprend la route à la découverte de villes mal connues et vous propose un tour de France inattendu. Dans cette émission, étape à Bayonne. Bien sûr, on connaît ses arènes, ses corridas, son jambon, ses fêtes, mais derrière des traditions qu'elle préserve farouchement, la capitale du Pays Basque recèle aussi sa part secrète et cultive un savant mélange entre esprit de résistance et ouverture. Pour débuter cette émission, rencontre avec notre grand témoin. Comme son père avant lui, il a dessiné les affiches et perpétue aujourd'hui l'esprit festif de la ville. Rencontre avec un artiste gargantuesque, André Lascoum. Ici, tout le monde l'appelle Dédé. Ça y est, c'est parti. Les 50e fêtes de Bayonne vont commencer. Que les gens ici ont encore le sens de la fête. Il est l'un des visages de Bayonne et de ses fêtes. Chaque année, le personnage qu'il a créé avec deux comparses réveille la ville pendant les fêtes de Bayonne. André Lascoum, bonjour. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir chez vous. Le roi Léon, un personnage imaginaire et débonnaire, est-ce que c'est un peu vous ? C'est un peu moi. Il représente une grosse poupée qui n'est pas animée, mais qui attire tous les enfants depuis presque leur naissance jusqu'à l'âge de 14-15 ans et qui amène leurs parents voir ce personnage ouvrir tous les matins le rideau et présider aux destinées de la fête de la journée. Chaque année, ce sont près d'un million de gens qui viennent ici dans la ville pendant 5 jours au milieu de l'été. Qu'est-ce qu'elles représentent encore aujourd'hui ces fêtes ? Ces fêtes, c'est l'exutoire de Bayonne toute l'année. De se retrouver, d'oublier ses soucis. Et c'est un peu un carnaval, le carnaval de Rio. D'ailleurs, les fêtes de Bayonne sont classées après les fêtes de Pampelune et les fêtes de Munich. En Europe, c'est la troisième fête au point de vue du nombre de personnes qui se réunissent, au point de vue qualité aussi. Même les gens venant de l'extérieur s'habillent en blanc comme nous, et donc tout Bayonne est en blanc et ceinture rouge ou foulard rouge. Alors, il y a les fêtes de Bayonne, mais il y a aussi une autre tradition tout aussi ancienne. Ici, ce sont les peñas, des associations où on boit, on mange, on fait la fête, on danse, on chante. Et vous en avez une qui se trouve juste à côté. On va faire un tour pour voir à quoi ça ressemble. Et à trop être dans cette tradition, est-ce qu'on ne s'enferme pas finalement ? Non, on ne s'enferme pas. On essaie de poursuivre, de transmettre aux enfants la culture, par exemple à travers la langue du Pays Basque. Nous avons des difficultés actuellement avec notre gouvernement pour installer des écoles en langue basque. Et toutes les familles sont demandeuses à ce que la langue soit parlée et qu'il y ait les deux langues à Bayonne. Vous n'avez jamais eu envie d'aller vivre ailleurs ? Non, madame. D'emmener la femme, les enfants et dire « Allez, on s'en va, on va voir ailleurs ». Non, madame, non. Je suis parti en voyage, j'ai visité plusieurs pays, plusieurs régions de France, beaucoup l'Espagne. Mais je suis toujours ravi de revenir et de voir pointer les deux flèches de la cathédrale qui sont le symbole architectural de notre ville. La question difficile, qu'est-ce qu'il y a ici qu'il n'y a pas ailleurs ? Eh bien, qu'il n'y a pas ailleurs ? Ben, vous, par exemple. Nous y voici dans votre antre.
Votre peña, et pas n'importe laquelle, elle porte le doux nom d'Orcompon, c'est Orcompon. Orcompon avec l'accent, ce qui veut dire ? Qui veut dire débrouille-toi. Débrouille-toi. Bon, ici on se débrouille. Bonjour messieurs. Julie, enchantée, merci de nous accueillir. Bonjour. Bonjour. Le guitariste, bonjour, enchanté. Bonjour. Le clavier. Le clavier. Bonjour. Bonjour, enchanté. André, cette peña, elle existe depuis plus de 30 ans. 36 ans, exactement. 60 adhérents et que des hommes. Que des hommes. Oui, on a voulu rester entre hommes. On a copié un petit peu les sociétés gastronomiques qui existent au Pays Basque Sud, qui sont gérées par les hommes. Les femmes sont invitées. Mais on n'est pas des machos, parce que vous savez, nos épouses et nos compagnes, quand elles viennent, elles sont ravies de venir se poser, mettre les pieds sous la table, parce qu'on cuisine pas trop mal. Il y a quelque chose de secret. Tout le monde ne rentre pas dans ces peignages, ah non, uniquement les adhérents. C'est la tradition. Non, pour être membre d'Orcompon, il faut être élu à la majorité des deux tiers des membres de l'association. Alors ici, on mange, on boit, on danse, mais on chante également. Alors je propose qu'on écoute tout de suite vos comparses. Le jambon, allez, le jambon. Le jambon de Bayonne. Le jambon de Bayonne. Allez, on vous écoute. Michel, on vient d'entendre le jambon de Bayonne, c'est ça, elle s'appelle comme ça, ouais. Cette chanson. Elle représente quoi pour vous, Michel, cette identité basque ? L'identité, c'est quelque chose qu'on a dès le départ et qu'on cultive, ma foi. Mais nous chantons régulièrement des paroles qui disent « nous sommes fiers d'être basques ». Défendre l'identité basque, André, Michel, est-ce que ça doit aller jusqu'à l'indépendance ? Non, pas pour moi. Une autonomie, oui, mais pas une indépendance. On n'a pas tous le même avis sur la question. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'indépendance est nécessaire, mais l'indépendance ne veut pas dire vivre, comme je l'ai entendu, en autarcie. C'est au milieu des autres peuples, et c'est la communion des peuples qui ferait ressortir notre peuple basque aussi. Une des autres traditions de votre région, c'est le rugby, bien sûr, et nous, pour changer, on a choisi d'aller voir les filles de l'AS Bayonne. On va tout de suite y aller, mais avant de se quitter, c'est la tradition. Une photo avec tout le monde. Messieurs, vous êtes prêts pour la photo ? On se resserre un petit peu, comme pour une photo, là, et on se met comme vous voulez. Le président devant, hein. Le sourire, ce que vous voulez, un grand sourire. Terre de tradition Bayonne a parfois défendu son indépendance, arme à la main. Mais depuis 2010, l'organisation séparatiste TEA a cessé toute action violente, une accalmie toujours fragile. Les Basques ne sont pas les seuls à clamer leur appartenance à la ville. Les Gascons, eux aussi, revendiquent leur part dans l'histoire de Bayonne, une petite ville de 45 000 habitants au caractère bien trempé. Aujourd'hui, ce sont sur les terrains de rugby que la ville défend ses couleurs, les garçons comme les filles. Des filles au pays du rugby, elles n'ont ni salaire, ni couverture médiatique et pourtant ce sont de véritables passionnées. Nous avons maintenant rendez-vous avec Céline, Lauriane, Magali, l'élite du rugby féminin français, entraînée par un homme et pas n'importe lequel, Jean-Michel Gonzalez. On se remet là, Odile, tu ressortes au même endroit, on prend l'espace, ambi, et on vient sauter dans la zone de la fille. Là c'est le lanceur qui va commander ton saut. Odile, prends la place à Clara, Odile. Ouais.
Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Alors, je viens de regarder un peu l'entraînement. C'est physique. C'est physique, c'est surtout technique. Avec les filles que l'on a, on est obligé de travailler beaucoup sur la technique, le déplacement, plutôt que dans la puissance et l'affrontement. Donc, qu'on n'a pas forcément des gros et des grands gabarits. Du rugby féminin à Bayonne, ça n'a pas toujours été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. Ça fait 10-12 ans que le rugby féminin est à Bayonne. Ça grandit, puis on arrive à avoir surtout une équipe compétitive et à rester à un bon niveau. Résultat aujourd'hui, 20 joueuses, 3 équipes. Et vous, ça fait 2 ans que vous entraînez l'équipe première. Ça vous apporte quoi? Beaucoup de plaisir. Je suis dans la transmission de ce que j'ai appris, de ce que je sais. Je suis dans le partage avec elle. Et puis il y a surtout une chose, je suis arrivé ici à cause de ma fille qui joue en cadette. C'est un peu avec elle que j'ai connu le rugby féminin, même si je connaissais avant. Il est 21h et je suis encore avec elle pendant une heure et quart. Et donc c'est vraiment le plaisir de partager. Avec votre palmarès international français, vous auriez pu prétendre à autre chose. Il y a plein de personnes qui se demandent ce que je fais là. Et quand je leur explique, mais venez voir jouer les filles, vous allez voir. Je crois aujourd'hui à Bayonne, on n'a plus d'équipe championne de France. Et on est en train de travailler pour essayer, parce qu'un titre c'est compliqué à gagner, mais essayer d'aller le plus haut possible, justement de les former pour aller le plus haut possible. Et bien on va tout de suite aller voir une de vos filles, la capitaine, pas n'importe laquelle, Magali, pour voir ce qu'elle en pense. Merci Jean-Michel. Merci, merci l'agressivité, Manon, tout ça. Merci. Magali. Bonjour. Alors nous sommes dans les vestiaires de cette équipe première de rugby féminin de l'AS Bayonne, dont tu es la capitaine. Depuis combien de temps tu fais du rugby? Ça va faire 6 ans, 7 ans que je joue au rugby. Sur 450 000 licenciés en France, seulement 12 000 femmes. Ça augmente un peu, mais ça reste très minoritaire. C'est très peu médiatisé, donc c'est pour ça aussi que ça n'aide pas. Et puis après, c'est des passionnés. En général, c'est des sœurs de joueurs ou la famille aussi dans un club. Quand même, ça tape, ça va vite, c'est très physique. C'est pas un peu dur quand on est une fille? Il y a les sports de combat aussi, c'est aussi dur. Donc je vois pas pourquoi ça serait dur. Après, je vais me faire chambrer parce que j'ai des coups, j'ai des cocards. C'est vrai, quand on va chez le médecin, et voilà, on se pose en général des questions, mais... si on n'est pas battu ou autre. Ah ouais. Et après, mais en expliquant les choses, après, ça se passe bien. Nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus un jeu d'évitement et parce que c'est notre physique qui nous l'impose et voilà, c'est un jeu beaucoup plus de déplacement. C'est vrai qu'on n'a pas de jeu au pied comparé aux garçons, mais du coup, ça joue beaucoup plus peut-être que les garçons. Donc voilà, on s'adapte. Il y a les entraînements, les matchs et pour toi, le travail. Tu aimerais que le rugby féminin se professionnalise? Pour moi, quand il y a de l'argent, on oublie la passion. Et donc, du coup, j'aime pas trop voir. Voir du rugby masculin, des fois, ben, j'aime pas voir. Le sport, par exemple, le foot ou des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et ça, pour moi, il n'y a plus de valeur humaine et les relations humaines changent. Et donc, à partir de ce moment-là, on est sur une mauvaise base parce que... c'est plus sincère. Merci Magali. Magali, capitaine, t'es chargée de réunir tout le monde pour faire la photo.
Au confluent de la Nive et de la Dour, Bayonne dispose d'un port, véritable poumon économique de la ville. 3500 emplois en dépendent. Et cela n'a pas toujours été le cas. Ce n'est qu'en 1576 que l'estuaire artificiel est créé sur la façade atlantique. À l'époque, on y construit des navires et c'est ici qu'arrive le cacao du Nouveau Monde. Aujourd'hui, il est plus question de maïs et de métallurgie. Avec 4 millions de tonnes de marchandises traitées, il est le 9e port de France. Nous sommes sur le remorqueur, le Baléa. Si Biarritz et Anglette, deux communes voisines, attirent touristes et retraités, Bayonne reste, elle, avant tout un port de commerce. Chaque année, partent d'ici des milliers de trains de marchandises qui desservent la France entière. Certaines entreprises allient industrie et tourisme, comme celle de la famille Barlow. Génération, elle fabrique des pièces mécaniques et des planches de surf dans la même usine bayonnaise. Bonjour Jean. Bonjour Julie. Alors j'ai croisé du monde, presque la moitié de votre famille et la moitié de votre entreprise, c'est ça? Ah ben sûrement, donc vous avez croisé mes deux frères et mes deux sœurs et mes deux frères, Catherine et Françoise, Pierre et Philippe, et moi-même, donc je suis cinq, on est cinq frères et sœurs, et après il y a cinq personnes au niveau de l'entreprise. Chez Barlan, on fait de la mécanique, c'est ça? Elle fait la mécanique générale, on travaille pour l'industrie et puis tout ce qui est matériel, aussi ferroviaire touristique, dans le petit train de la Rune. Votre principal client, le petit train de la Rune, pour ceux qui ne connaissent pas? Petit train à crémaillère qui grimpe la Rune, qui va jusqu'au sommet à 905 mètres, qui est à la frontière franco-espagnole, au sud de Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Michel. Bonjour. Enchanté. Oui. Et vous travaillez donc sur une pièce du petit train de la Rune? Oui, parfait, oui. Voilà. Puisqu'il n'existe plus de matériel comme ça, aujourd'hui on est sur des pièces très très anciennes. Ah, c'est pièces anciennes et il faut les maintenir en état. Donc soit on passe sur du neuf, mais il faut qu'ils refassent toute la motrice. C'est pas les mêmes coûts, tant que là nous on a un savoir-faire pour entretenir le matériel roulant depuis 80 ans et le train, tant qu'il y aura des entreprises comme nous, il pourra continuer à vivre. Ici, c'est le royaume de la mécanique, mais pas que. C'est toute l'originalité de Barlan, puisque grâce à votre père, elle produit tout autre chose, mais un produit local, voilà. Des planches de surf. Voilà. On va tout de suite aller découvrir ça. Voici dans l'antre du surf Barlan avec un homme qui gère les lieux, c'est Philippe. Bonjour. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir ici. Alors vous êtes le shaper, celui qui façonne les surfs. Alors ce ici dans cette entreprise grâce à votre père qui s'est mis au surf dans les années 50. Découvre le surf à la Grande Plage via une personne qui est Peter Viertel, un scénariste américain qui donc est venu avec sa propre planche de surf des États-Unis en s'essayant, il a chopé le virus quoi. Et quelques années plus tard, va lui venir en tête dans cet esprit mécanique de créer une machine à shaper, à fabriquer des surfs. Donc il s'est dit, c'était les périodes où il faut mécaniser et pour mécaniser, il y avait l'informatique et l'approche mais qui n'était pas, je dirais, connue de tout le monde et pas si évidente que ça, de pouvoir usiner une forme de planche de surf. Et là, je dirais, tout son environnement de surf a rigolé de lui en disant qu'il n'y arrivera pas. Et tout l'environnement industriel lui a dit, il faut les compétences, ça ne sera pas facile. Et tout compte fait, et c'est une très belle réussite, puisque c'est la première machine mondiale développée en France. Mais il ne faut pas se tromper, celui qui va façonner, c'est l'homme, c'est la main de l'homme. C'est vous qui faites ça encore aujourd'hui, c'est de l'artisanat. On va tout de suite aller voir ce que ça donne, ce que c'est que votre travail de façonnage. On va voir? D'accord, on y va. Allez. On y va. Allez, venez, venez. Alors, c'est le petit coin de la création. C'est ici, donc ça, c'est les ébauches qui sont sorties de la machine. Moi, je vais formuler de manière à ce qu'elle ait un caractère joueur et vivant.
ces planches, quand vous travaillez dessus, Philippe, vous les vivez à chaque fois ? Complètement, à chaque fois. C'est pour ça que je ne produis pas. Je ne sais plus travailler aujourd'hui en masse. Vous allez passer combien d'heures de travail sur une planche en moyenne ? Moyenne, c'est souvent 15 heures. 15 heures ? Ouais, souvent. Et c'est une planche qui va être vendue à peu près combien ? Ouais, c'est souvent... Ma tranche aujourd'hui, c'est minimum 850 à 1200 euros. Je me situe en tant que concepteur, surfeur et uluberlu du surf. Et vous vendez directement à des particuliers ? Je ne veux pas particulier. Je ne suis pas un marchand de vent. Donc aujourd'hui, c'est ma clientèle qui vient me voir. Je les adore, je les respecte. Ils ont le produit en conséquence. Est-ce que vous avez le sentiment que Bayonne aide des entreprises, des petites entreprises comme la vôtre ? Vous vous sentez soutenu ? Oh non, la ville de Bayonne adore l'immobilier. Donc son projet, c'est plutôt de monter des immeubles. Philippe, merci. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Moi, j'ai envie de voir ce que ça donne sur l'eau. Alors, je vous propose qu'on aille faire un petit tour à la mer ensemble. C'est génial ça, merci. On est sur la plage de Marbella. Marbella, oui. C'est une des plages de surf de Biarritz. Oui, tout à fait. Ouais. Là, elle est comment la mer aujourd'hui là ? Là, elle est belle. Elle nous attire. Il y a du monde. Hein. Elle demande à y aller. Hein. Les planches de surf fabriquées à Bayonne, on peut désormais les payer en euchko, la toute nouvelle monnaie du Pays Basque. Depuis sa création, il y a à peine plus d'un an, 500 commerces l'ont adopté. Les entreprises adhérentes s'engagent à soutenir l'économie locale et promouvoir la langue basque sur les étiquettes. Au Pays Basque reste au Pays Basque, exclut donc les enseignes de la grande distribution, les groupes internationaux. Et pour convertir son argent, certains bureaux de tabac sont devenus des bureaux de change. À Bayonne, il y a le patrimoine qui se visite et celui où on habite. Nous avons maintenant rendez-vous dans le quartier des Hauts de Sainte-Croix. Un quartier populaire, mais ne parlez plus de ZUP. Longtemps décrié, cette série d'immeubles, imaginée par Marcel Breuer en 1963, vient d'être réhabilitée. Une redécouverte pour beaucoup d'habitants. Quand on pense à Bayonne, on n'imagine pas y trouver un véritable bijou. C'est comme ça qu'il l'appelle. Vincent Labaume, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, et vous-même ? Eh bien, très bien. Alors, vous êtes enseignant à l'École des Beaux-Arts de Biarritz. Et pour vous, ces tours, c'est un chef-d'œuvre ? Oui, on peut dire ça. Dans le social, les Hauts de Sainte-Croix, ou les résidences Breuer aujourd'hui, ou la ZUP, tout simplement, de Bayonne, constitue un chef-d'œuvre du XXe siècle. Et il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire c'est radical, c'est ce qu'on appelle du béton brut de décoffrage, et ça a permis de loger près de 8000 personnes, ce qui est quand même pas rien. Elle a été construite par un architecte aussi singulier, qu'un créateur du XXe siècle important, Marcel Breuer, qui a fait l'UNESCO, qui a fait d'autres réalisations d'importance. 1100 logements sortis de terre en 1963 sous l'impulsion d'André Malraux, à l'époque ministre de la Culture. Et c'est une sorte d'utopie architecturale et sociale. Oui, puisqu'il s'agissait de construire des modules d'habitat. On est dans l'époque du modulable, modulaire, du même habitat pour tous. Et Breuer a été assez habile pour transporter, traduire des éléments architecturaux de la ville de Bayonne
qui est une très belle ville, à Arcade. On retrouve d'ailleurs le rythme des arcades de la ville, du centre-ville de Bayonne. Et donc de transposer des éléments traditionnels dans une architecture qui est radicale, qui est sans éléments décoratifs. À vous entendre, ce lieu ferait presque rêver. Et pourtant, pendant longtemps, beaucoup de Bayonnais n'ont pas voulu mettre les pieds ici. Pourquoi ce quartier n'est pas aimé, n'a pas été aimé d'abord parce que c'est des logements sociaux. Donc le standing n'y était pas. Hein, il n'y est toujours pas vraiment. Donc on entasse des populations qui sont émigrées la plupart, qui ont des langues qu'on ne comprend pas. Il y a plus de, je crois, 20-25 langues qui sont parlées dans cette ZUP. Donc c'est quand même assez considérable. Et puis surtout parce que c'est des cages à poules, ça ressemble à rien. Et surtout pas au style basque ou néo-basque qui est une invention récente. Hein. En 2009, la ville a lancé ici un vaste programme de réhabilitation dans ce quartier des Hauts-de-Sainte-Croix. Est-ce qu'il y en avait besoin ? Oui, il y en avait besoin, oui. Ben, sinon il allait être détruit, hein, c'est simple. C'était ça ou la destruction. Donc, Et justement, nous, on va aller voir tout de suite une de ces gardiennes que vous connaissez. Elle s'appelle Evelyne. J'imagine que vous la connaissez. Ben, vous lui donnerez mes voeux. Hein. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et nous voici dans l'immeuble 4. On a maintenant rendez-vous avec la gardienne des lieux. Elle s'appelle Evelyne. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre immeuble. Ici, c'est le rose. Le rose. C'est l'heure pour vous, Evelyne, de travailler un peu. Alors, je vous suis dans les étages. Je vous en prie, je vous tiens la porte. Comme ça, je travaille un peu aussi. Vous avez combien d'appartements là dans cet immeuble ? 159. Et voilà, magnifique. C'est coloré. Alors, aux mêmes couleurs que l'immeuble, Evelyne ? Que l'entrée. En fait, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. 50 travaux, voilà. 80 millions d'investissements, ouais. 80 millions d'euros. C'est énorme. Il y en avait besoin. Ça a changé quelque chose pour... Ah oui, l'image à vue, quand on voit la ZUP de loin. Quand on voit Breuer de loin maintenant. On dit plus la ZUP. On dit plus la ZUP. Quand on voit Breuer de loin, c'est quand même plus joli, les volets colorés et tout. Parce que c'était triste, c'était terne, les couleurs, les sols étaient noirs, il n'y avait pas de couleurs, il n'y avait pas de joie, ça faisait plus tristesse que joie, donc voilà, c'était indispensable, on va dire. Est-ce qu'il y a aussi des nouvelles personnes qui sont venues énormément ici? Oui. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues avec des a priori, mais qui n'ont rien d'autre, donc qui sont venues et disent on aurait pu venir plus tôt. Parce qu'il y a des commerces, il y a des écoles, il y a tout, quoi. Il y a les bus très réguliers à tous les quarts d'heure. C'est vraiment très, très bien desservi pour tout. Allez, ben c'est parti, je vous suis. Hop. Donc voilà, je vais au bout du couloir. Et on commence par le dernier étage et on descend. Dernier étage, on descend. Il y a plus de sécurité aujourd'hui dans ces immeubles qu'il n'y avait avant? Oui, quand même. Oui, oui, oui. Il y a les caméras. Il y a des caméras. Plus de caméras qui sont quand même une sécurité pour tout le monde. Ça change quoi, les caméras? Vous avez vu quoi qui a changé grâce à ça? La casse. Il y a moins de casse? Oui, il y a moins de casse. On est dans un des appartements vides qui est prêt à être reloué. Vous y jetez un petit coup d'œil. Et le plus incroyable ici, Evelyne, c'est cette vue. Hein. Une vue imprenable sur les montagnes. Et puis même, on aperçoit la Dour là-bas. C'est quand même un luxe d'habiter dans une tour et d'avoir une vue comme celle-là. Ah oui, oui. La vue est imprenable, c'est le cas de le dire. Là, c'est vraiment magnifique. On termine cette émission en vous faisant découvrir le travail de cette toute jeune compagnie de danse contemporaine, Hector Kizuna, qui revisite le répertoire dans ses bases, les danses rituelles locales. On se quitte sur ces images. À bientôt pour une nouvelle balade dans une nouvelle ville.